Elle est là, méfiez-vous, c'est Mélodie. Bravo. Mais pardon, Mélodie en fait n'est pas là ce matin. Elle a laissé sa place à un chien, voilà, une chienne pour être exacte, et qui préfère rester anonyme. Pourquoi ? Alors déjà, Marfi, elle est là de me donner enfin la parole. 100 000 abandons par an d'animaux, hein, Leïla. 100 000 et des adoptions qui baissent de 6%. Non merci, je préfère rester anonyme, j'ai pas envie de me faire coffrer par la SPA, coif. Il y a de quoi attacher son fond de culotte. Bon, j'en ai pas de culotte, mais si j'en avais, ce serait Jackson Pollock là-dedans. Vous avez peur d'être abandonné, vous, en fait ? Ah bah de ouf ! Alors bon, moi, ça va encore. Je suis chienne de star, hein. Je suis bien née, je suis nantie. Non, pas vous, hein. Isabelle, nantie l'adjectif, hein, mais il faut les supporter, les remarques des autres chiens. Au parc, je les entends dire... Ah oui, alors je vous traduis parce que vous n'êtes pas fluente. Hein. Ouais, t'es qu'un pas chat de façon et tout. Moi, je leur réponds, ouais, un pas chien, plutôt... un pas chien, enfin voilà, c'est de l'humour canin. Quoi. Ouais. Vous disiez que vous étiez une chienne de star. Oui, alors Maître Nagui, enfin je veux dire, pas Maître Nagui, le maître, je l'aime, mais je sens bien qu'il m'aime moins qu'avant. Ah. Ça, c'est... je ne peux plus dormir dans sa chambre, apparemment je pète en dormant. Moi je vois pas ce que ça change, j'ai jamais râlé quand le maître digérait ses soirées Tex-Mex. Hein. Maintenant je suis obligée de dormir dans une chambre rien qu'à moi, toute petite, elle doit faire, je sais pas, 70 mètres carrés même. Pas, super loin du maître et au bout du couloir à droite de l'héliport. Je sens qu'on me délaisse. Qu'on me délaisse. Vous l'avez, elle est bonne, elle est... Si vous pouviez éviter de mâchouiller le micro. Pardon, je fais ça quand je suis stressée. Une bonne mousse. Faut dire, j'ai perdu confiance. Récemment, on avait rendez-vous chez le véto avec Nagui. Ah, avec le maître, pardon. J'ai croisé des copains masculins là-bas. Une boucherie, un défilé de roubignoles. Tellement de boulettes dans des poche à glace, on dirait la cantine d'IKEA. Les pauvres, ils arrivent dans une petite coupe d'été, ils repartent la boule à zéro. Ils entrent ces Joe Cocker, sortent ces Maria Carlin, c'est pas facile la vie de chienne. Alors la solution c'est quoi ? Alors avec les copines, on a décidé de monter une asso pour lutter contre la discrimination. L'asso s'appelle l'asso 6. C'est une asso humaniste, enfin chieniste, qui milite pour trois choses principales. 1. La conservation des roupettes. Hein, je suis chienne de garde, mais j'aime bien la chose. 2. L'hygiène. Messieurs, il faut se laver les mains après l'urine. Hein. Vous avez tendance à vous essuyer sur nos poils et après on sent le zizi toute la journée. Ah tiens, Tristan a réinstallé Grindr. 3. La lutte contre l'abandon. Hein, quand on abandonne un animal, gardez ça en tête. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Alors n'hésitez pas à rejoindre la saucisse et merci de m'avoir écouté. Merci Tafta. De rien. Elle est où, Mélodie ? Alors, demain, elle sera à Clermont-Lérault, c'est près de Montpellier, pour son fabuleux spectacle. J'aime bien la chose.